L'innovation en ingénierie pour un monde plus résilient, c'est sous ce thème que se célèbre la Journée internationale de l'ingénierie. Conférences, présentations des projets tutoraux et animations ont articulé la journée. Cette année, nous avons décidé de rassembler l'ensemble des étudiants des autres filières ici pour transformer cette journée en journée de projet. Au lieu de parler d'un thème compliqué, abstrait, nous préférons que la journée soit consacrée donc à des comptes rendus d'activités menées sur les chantiers. Dans la société actuelle, l'ingénierie a un rôle à jouer pour le bien-être des hommes. Il est donc important de former les nouvelles générations. C'est le moment pour nous de faire la promotion de l'ingénierie, non seulement dans notre université, mais aussi au Gabon. Donc au programme, nous avons prévu des discussions concernant le thème et des élèves ingénieurs vont nous présenter les différents projets qu'ils ont élaborés pour cette journée. Le développement de l'ingénierie suscite actuellement l'intérêt des femmes. Leur nombre est en net croissant dans les filières de formation, mais il est nécessaire de vulgariser davantage ce secteur. Avant, c'était plus des métiers pour hommes. Et de voir déjà que de nos jours, les femmes s'intéressent à ce genre de métier-là, on peut dire que la génération future progresse énormément et c'est très satisfaisant. On voudrait plus de femmes dans le domaine de l'ingénierie parce que, quand bien qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la femme, il faudrait bien que plusieurs femmes en fait, puissent penser au fait qu'il faut intégrer ce monde de l'ingénierie, des sciences. La journée de l'ingénieur est célébrée chaque 4 mars à travers la planète. C'est pour coller à l'événement du 8 mars que les organisateurs ont choisi de rendre mémorable ce jour.